Bonjour à tous, auditeurs et auditrices de la radio Arc-en-Ciel, ceux qui nous suivent via YouTube, ainsi que toute l'équipe de Jésus et mon guide. En ce mercredi 7 juillet 2021, nous fêtons Saint-Benoît. C'est la fête de ma paroisse et je salue particulièrement les paroissiens, ainsi que Père Roger et Père Curé Fabrice et Lama. J'ai le plaisir de vous présenter cette séquence avec deux de mes collègues, Chantal et Gisèle. Mais avant de vous proposer la lecture et le psaume, je vous propose un chant à l'Esprit Saint de Luce Rose.
Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, tout le pays d'Égypte souffrit de la faim. Et le peuple, à grands cris, réclama du pain à Pharaon. Mais Pharaon dit à tous les Égyptiens, « Allez trouver Joseph et faites ce qu'il vous dira. » La famine s'étendait à tout le pays. Alors, Joseph ouvrit toutes les réserves et vendit du blé aux Égyptiens, tandis que la famine s'aggravait encore dans le pays. De partout, on vint en Égypte pour acheter du blé à Joseph, car la famine s'aggravait partout. Les fils d'Israël, c'est-à-dire de Jacob, parmi beaucoup d'autres gens, vinrent donc pour acheter du blé, car la famine sévissait au pays de Canaan. C'était Joseph qui organisait la vente du blé pour tout le peuple du pays, car il avait plein pouvoir dans le pays. En arrivant, les frères de Joseph se prosternèrent devant lui, face contre terre. Dès qu'il les vit, il les reconnut, mais il se comporta comme un étranger à leur égard et il leur parla avec dureté. Il les retint au poste de garde pendant 3 jours. Le 3e jour, il leur dit, « Faites ce que je vais vous dire, et vous resterez en vie, car je crains Dieu. Si vous êtes de bonne foi, que l'un d'entre vous reste prisonnier au poste de garde. Vous autres, partez en emportant ce qu'il faut du blé pour éviter la famine à votre clan. Puis vous m'amènerez votre plus jeune frère, ainsi vos paroles seront vérifiées, et vous ne serez pas mis à mort. » Ils acceptèrent, et ils se disaient l'un à l'autre, « Hélas, nous sommes coupables envers Joseph, notre frère. Nous avons vu dans quelle détresse il se trouvait quand il nous suppliait, et nous ne l'avons pas écouté. C'est pourquoi nous sommes maintenant dans une telle détresse. » Ruben alors prit la parole. « Je vous l'avais bien dit, ne commettez pas ce crime contre notre jeune frère. Mais vous ne m'avez pas écouté, et maintenant il faut répondre de son sang. » Comme il y avait un interprète, il ne se rendait pas compte que Joseph les comprenait. Alors Joseph se retira pour pleurer. Parole du Seigneur. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Le Seigneur a déjoué les plans des nations, anéanti les projets des peuples. Le plan des nations demeure pour toujours. Les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Ce que je retiens dans cette lecture, c'est l'humilité de Joseph. On sait qu'il a été abandonné par ses frères. Et aujourd'hui, voilà qu'il est devenu quelqu'un d'influent, de très important. Avec la famine qui sévit dans le pays, c'est lui qui est responsable de la vente du blé. Et voilà qu'il se retrouve face à ses frères qui ne l'ont pas reconnu. Il aurait pu très bien les renvoyer sans blé, mais il a préféré les éprouver. Et cela nous mène à notre attitude aujourd'hui, à chacun de nous. Lorsque nous avons une responsabilité,
telle sera notre attitude envers notre prochain. Je vous laisse à chacun cette réflexion. La séquence est terminée. Je remercie Chantal et Gisèle pour avoir prêté leur voix pour aujourd'hui. Et je vous propose un chant de Marcel Tugard, Saint Benoît, notre Saint Patron, en a cappella. Saint Benoît, notre Saint Patron, montre à nous chemin, bon Dieu, guide à nous, éclaire à nous, reste toujours avec nous. Saint Benoît, notre Saint Patron, guide à nous vers Jésus, montre à nous son chemin, livre et être son témoin. Apprends à nous à découvrir toutes les richesses de la prière, que dans notre vie de tous les jours, nous les témoins de son amour. Apprends à nous les vraies valeurs qui rendent à nous notre dignité, que la prière et le travail est notre bonheur et notre fierté. Saint Benoît, notre Saint Patron, montre à nous chemin, bon Dieu, guide à nous, éclaire à nous, reste toujours avec nous. Saint Benoît, notre Saint Patron, guide à nous vers Jésus, montre à nous son chemin, y veille être son témoin. Apprends à nous à devenir des ouvriers, des bâtisseurs, pour que demain les monts nous sera tout en beauté, tout en couleur, comme l'ouvrier dans le carocane, son évangile nous va semer, la moisson nous va récolter, il sera l'amour avec la paix. Saint Benoît, notre Saint Patron, montre à nous chemin, bon Dieu, guide à nous, éclaire à nous, reste toujours avec nous. Saint Benoît, notre Saint Patron, guide à nous vers Jésus, montre à nous son chemin, livre et être son témoin. Je vous souhaite une très belle et agréable journée, soyez bénis et je vous dis à très bientôt. Sur la terre qui cherchent en vain le bonheur, mais pour moi c'est tout le contraire, la joie se trouve dans mon cœur. Cette joie n'est pas éphémère, je la possède sans retour, comme une rose printanière, elle me sourit chaque jour. Lorsque le ciel bleu devient sombre et qu'il semble me délaisser, ma joie c'est de rester dans l'ombre, de me cacher, de m'abaisser. Ma joie c'est la volonté sainte de Jésus, mon unique amour. Ainsi je vis sans nulle crainte, j'aime autant la nuit que le jour. Aussitôt je tombe en chemin, je puis me relever bien vite, et Jésus me prend par la main. Alors le grand blanc me caresse, je lui dis qu'il est tout pour moi, et je redouble de tendresse lorsqu'il se dévoile.